Ah. Donc, Anoussac, est-ce que t'es chaud pour entrer? Bah, ouais, vas-y, contre toi. Ouais, quand tu veux. Vas-y, vas-y. Voilà, bon, je continue à commenter. Donc, Ivoiro a gagné. Mais y en aura d'autres, hein. Il y en aura d'autres. Donc, prochain match. Alors, prochain match. Ivoiro versus Anoussac. C'est pas la première fois qu'on va se mettre là. Alors. Anoussac. Les mid. Ouais. Ok, Simer, tu peux t'en allumer, hein. Ok, tout. On n'a pas vu Anoussac faire ce raid. Ils ont beaucoup joué entre eux en triplet. Et ouais, je crois que c'était scrimé, je crois. Donc, de toute façon, bah, normalement, ce sera juste après. Normalement, c'est Anoussac ici. T'inquiète, il y aura un autre match encore. Et là, les deux seront chauds bouillants, donc voilà. Ah, il fait chaud, hein. On est tous en slip là, je vous confirme. On est tous en slip. Ouais, et il avait fait 5-4 contre moi. Voilà, bon, on va revenir sur le match, j'étais ailleurs. Sauf pour un qui n'est pas déchoppé. Excusez-moi, je reset un peu les scores là parce que. Là, c'est pas brûlé, c'est pas bien. Joli. Ivaro, t'es à gauche, non? Ok. Ivaro à droite? T'es en bleu, donc. Ok. Je vais inverser les blazes. Bien. Hiya. En enregistre. Joli, joli. C'était quoi? Ouais. Bon, je vous laisse regarder le match et je vais faire un truc, je reviens. Oh!
Salut tout le monde, Red à l'appareil. Putain, Red avait gagné. Ah merci Knight, ça va. Toi tu comprends que j'avais gagné. Ok, je vais pas déconcentrer Ivoiro. Et c'est parti pour... C'est quel match ça? C'est le premier ou... C'est le premier. Premier match, Lay contre Lay. Putain, on en a marre des Lay les gars. Avant on se plaignait parce qu'on avait pas assez, mais maintenant ça fait trop. Joli, et l'arnaque D1 qui rentre en counter. Encore une fois, D1 de Joe Kessler, il tombe en bloc. C'est la merde, dommage. Oh, Anoussa qui maîtrise bien les côtés, enfin les, le le BT. Salut, Duke from Paris. Ici Red from Sergi, avec G-Mike from Sergi aussi. Et le 2-2-3 qui passe en attendant que je dise des conneries. On fait un peu à la visée, faut juste avoir une équipe qui se complète bien. Ouais, ok, parfait, mais ça sert à rien en jeu. D'accord, même si c'est très dur. Ça prend les actes 5-2 contre Hero. Et c'est vraiment bon, ouais, Red avait gagné. Bref. On continue. Ok, c'est parti pour la suite. Le rush encore une fois, je déteste ce Kuwado. Dommage, le F4-1 qui est passé en counter. Dommage qu'il n'ait pas continué la série pour faire. Combien, 66, 70, enfin une connerie comme ça, et la spéciale qui rentre encore une fois. Eh, j'en ai marre, c'est toujours la même chose que je commence, ça passe tout le temps. Encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là, D4, passage en panthère, ça auto-step de ouf, donc si tu réponds, à part un anti-side, tu vas la voir dans l'oignon. Et F3-1 qui va chercher, F3-1 encore peut-être, le rush. Oh là là, c'est horrible. Et la balayette qui est bloquée. Oh dommage. Ah, il a raté sa punition. Anoussa qui punit très bien les ducks, mais des fois sur les lots bloqués, il hésite un peu. Voilà. Il me fait mentir, cet enculé. Bon allez, c'est parti, F1 et voilà. C'est quoi la nouvelle manip de ce coup là déjà? Alors c'est DSS F... C'est plus F4 je crois, c'est DSS F3+4. Enfin, je suis pas sûr. Ou F4. Je sais pas. Je dis peut-être de la merde. Dommage qu'on peut pas afficher les... Les commandes. Ah là là, Ivoiro qui joue beaucoup avec le tag, le route tag, les feintes en tag, les... C'est horrible, ah ouais, ah, c'est magnifique, moi j'adore. Je le copie un peu, tu vois, mais quand c'est moi qui le fais, tout le monde dit que c'est de l'arnaque. Bref, c'est reparti pour Anglais. Low Lay. Encore une fois. C'est cool. Ivoiro qui vient de nous dire que c'est horrible de jouer contre un Lay. Et ben je confirme. C'est du grand n'importe quoi. Heureusement que j'ai un ninja parce que sinon je sais pas ce que ça donnerait hein. 3-2, pas basé sur le BT. C'est quoi 3-2? 3-2 de qui? Vas-y répète Knight. À 2, pas passer sur le BT de 2. Attends, alors j'imagine que c'est BT de 2 de là-haut et 3 F3-2, tu veux F3-1, tu veux dire F3-1. Bah, il est en retard alors, normalement ça rentre en punition. Ouais. F3-1 de Lay, pas 3-2. Et ouais, donc il est en retard. Il est en retard. Ouais, c'est bien du moins 16 ou 17. Ouais, donc ouais, vaut mieux mettre starter. Moi, je comprends pas les gens qui essaient autre chose. Je dis ça, mais... Encore... Ah ouais, par contre, il y a un mini poil de frame de lag quand même, les gars, par rapport aux télé de tournoi, donc excusez-nous s'il y a des trucs qu'on n'arrive pas à faire. On essaie de faire le maximum quand même pour vous donner le meilleur de ce qu'on peut faire. Mais genre, vous avez dû le sentir, genre, il n'y a pas beaucoup d'échoppes au final. Quelques-unes quand même, mais bon. Moi, perso, je sens grave que je suis en retard. Et mais après voilà, quoi, d'habitude, G-Mike aussi, il défoppe super bien. Anoussak aussi, apparemment, il me semble. Donc, si Lay vient ici, Lay93, il va se faire plaisir contre nous. Ça, c'est un problème. Sony. Je sais pas si c'est un panneau Sonic, mais c'est bien une marque Sony. Attends, je vais regarder. C'est un Bravia, c'est une grosse télé. C'est une grosse télé. Ah ouais, là il va arnaquer tout le monde. Bref, bon, je retourne sur leur match. Oh là là, magnifique, dommage. Je sais pas si t'as pas combo sur le deuxième, non? Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage ça. Faut que tu trouves un trap pour ça, mon gars.
Et ça pareil, hein, Rush qui finit par le lot, moins 15, c'est sûr, et moins 16, je suis pas sûr, mais peut-être, moins 15, c'est sûr. Et là, le combo qui rentre, je sais pas si Anouzak aurait pu finir s'il avait tag assaut. En tout cas, il a pas fait, il a préféré garder, enfin finir le combo en solo, pour pas lui donner le mode rage. Et ça a payé, apparemment, et Ivaro. UF3 plus 4, 3, il va pour finir Paul V2. Ah non, t'as B3 je crois. Allez, Tekken Chicken, quelqu'un me confirme ça rapidement. Paul V2 de Low et à combien? Bon alors Tekken Chicken parce que personne ne répond. Oh là là, aucune solidarité. Moins 18, merci. Ok, bah je vais regarder parce que je vous crois pas du coup. C'est pas contre vous les gars, mais en fait c'est Rémi ta gueule. Merci. Non, pas moins 100. Je vais juste vérifier que Ivaro a bien B3 sur Vol V2 de Low. Parce que bon, ok, c'est des défis, c'est un truc streamé, mais on est surtout là pour apprendre, essayer de se perfectionner. Donc je vais vous dire ça tout de suite. C'est pour ça que je donne des conseils aux mecs qui sont en train de jouer, hein. Je suis pas ni pour l'un ni pour l'autre. Donc bon, il est où Low? Ah voilà, il se cache. Pourquoi tu te caches Ah non, pardon, il était en plein juggle. Ah non, c'était mort. Bref, Marshall Low, relevé 2. Je vous dis ça tout de suite les gars. J'ai pas de problème avec le micro, ça va? Nickel. Ouais mais je vais voir... Oh, punisher. Ouais, stand-in. Ouais. Ok, ah, launcher. Ok, oh là là. Damage 24, frame 15, moins 18. Donc oui, il y a bien B3 sur relevé 2 de Low. Ivaro, tu t'en souviendras. Ok, donc moins 18, je confirme. Et je garde Tekken Chicken à portée de main. Si tu veux... Ah pardon, vas-y, je te repasse hein, du mec. Bah non, mais je vais me laver. Moi, tout à l'heure, les gars. Putain, mes lunettes. Round 1. Fight. Bon, ici J-Mike, Red est parti se rafraîchir sous la douche, il serait là. Alors attendez, des bêtises, il y a un partout. Oh, c'est pas sérieux ça, il met pas les scores le type. Ok. WS2 de là. Oh là là, oh joli! Est-ce que ça bounce? Non, je crois qu'il a eu raison. Ça fait quoi de se prendre ça? Il m'a tellement mis. Putain, moins 18 quoi! T'as tout ce que tu veux, moi je peux dire par UF3 plus 4 de boost direct. Hein? Ouais, j'ai B2 aussi, mais. Relever 3. UF3 plus 4 de brousse, ça vaut plus que B2. UF3 plus 4 de brousse. Sur relevé 2 de là-haut. Ouais, ouais. Chou. Bon, en tout cas, hein, merci d'être présent sur le stream, ça fait plaisir. Comme ça, bah, on va continuer sur cette lancée, quoi. J'espère que... Bah, niveau qualité, j'ai pas pu faire mieux parce que j'ai changé de... fournisseur d'accès et j'ai perdu du débit quoi, c'est un peu relou. Et on organisera ça plus souvent, même si ce sera pas chez moi, bah un petit hein, ouais faut que je regarde chez Watt. Et même chez Phoenix, lui il a la
Il a un très bon débit, donc je ramènerai mon matos, on fera ça chez lui. Il n'y a pas de problème. Et il voit Rock qui me dit qu'il y a la fibre aussi. Donc on va squatter tout ça. Et puis voilà, bah, notre ami Anoussa, on va plus le lâcher là. On va plus le lâcher. Merci Nice. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais quand j'avais la freebox, c'était encore mieux quoi. Donc je suis un peu deg. Hein. Du moins que ça lag pas, c'est ce qui compte. Voilà, Red qui se met en débardeur. Qui fait gonfler ses pecs, je crois que je vais pas tarder aussi, admettons. Attends, Red fait un petit coucou là. À la caméra. Voilà, Mister. Chichi. Donc ouais, non, ouais. donc voilà, hein. Vous l'avez vu, il a gonflé ses... Voilà. toujours en mode rugby. Il va péter ton appart d'un coup de paume. Ah ouais, putain. T'inquiète, coup de machette. J'ai FF2. Excusez-moi, qui a gagné? Donc il y a 2-1. Putain, tout le monde arnaque tout le monde quoi. Putain. Oh, il y en a qui me disent qu'il y a 3-1. Il y a 2-1. Voilà, il y a 2. Donc Doug, hein. Oh. Red, tu peux étendre. S'il te plaît. Oh là là, il y a plus de monde qui regarde le stream là. Ils sont à 27. Donc, non. Ah, 24, ça a descendu. T'auras pas de Fanta. Il y en a pas d'ailleurs. Voilà, bon, on suit un peu le match, si ça vous intéresse. Voilà. Bon, là où qui est rentré. Oh là là. Bien joué. Ah, voilà la spéciale Ivaro. Bon tag et WS2 bien placé. Non, non, il a trop... Il a un peu trop fait là. Voilà. Bon bah, durant match Lay, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... Voilà, joli. Chinoiserie. Oh, joli, elle fait 3. Nice. Ah, ça c'est bien, ouais, ça. Bien joué. Ah, Chopin plus 2. Et boum. Oh, miracle. Non, non. Là, c'est ça qui a un peu craqué, quoi. Ah, ils sont 10, enfin je crois que c'est 10 ou 12. C'est de combien ça? Je crois que c'est... Moi je punis ça en 10, mais j'ai un doute, hein. Bien, bien le juggle. Wall combo. Bien ta crash. Oh là là, putain, direct à l'arrivée, il ressent des bouffes un coup de pied de dos. Voilà, Skyrocket. Bien joué, UF3 plus 4. Voilà, bon, nous ça qu'il faut qu'il soit attentif là. Oh, il est attentif. My god. Oh l'enfoiré. Bon bah, hein. Franchement, joli. C'est le Furumitsu de Paname.
Moins 11, d'accord. Ah, moins 11, ouais, donc j'écoute plus de la douce. 1-4, ouais. Moi j'ai fait quand je suis pas sûr en fait. C'est safe. Bien, bien, slidey. Un petit slide là. La porte de là-haut. Voilà, bien, un petit 4. On va passer en counter. Voilà, franchement ça fait pas n'importe quoi, hein, je vous dis. Il voit haut son raccourci. Waro, il peut pas aller en agi. Il y a trop d'agi. Wow. Oh joli. Oh putain, il l'avait. C'est vraiment dommage. C'était bien joué. Mais... Oh là 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 le. Eh, bien joué. Bien joué de la part d'Anisak. Joli. Bam. 3. Il y a un petit mur. J'ai deux fois des feux. Et non, faut jamais courir. Jamais. Soit il le step, soit il se couche. Il y a toujours un délire. Hein. Ah ouais, l'esquive a été pas mal. Bien. Varro qui est très prudent, car il est dans le coin. Ah, ça qui passe un petit dégât. Varro qui a préféré. Ils ont l'air d'avoir une bonne... Bonne allégeance ces deux là, Iwaro. Là il y a Iwaro là. Ah oh, c'est. C'était marrant. 3-1, exact. Alan Jack. Les Woolands, les Woolands, les Woolands. Pour l'instant, Iwaro prend bien sa revanche. Get ready for the next battle. Non, c'est tendu. Faut éviter les erreurs. Round 1. Voilà, je prends 1. C'est un peu le point faible du Varro sur le chef. Oh, ben, c'est encore fait arnaquer. Joli. Bien joué, c'est pas baissé. Un petit slide. Voilà, tout le monde est bien placé encore une fois. Oh, c'est dommage. Ouh, oh, attends, il avait ce qu'il faut. Voilà, ça c'est bien joué. Oh, joli. Oh là 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 là. Eh, c'est magnifique. Désolé pour les cris, mais c'est trop beau. Voilà, FF3 bien placé. Ah, un step. Wow. Joli. Vous me confirmez que les deux chopes là comme ça, c'est la 2. Ok, c'est vrai que ça me semblait. Bon. Oh, joli. Magnifique. Oh là là. Iwaro qui donne son fessier. Joli. Bien. Oups. Un petit jiggle. Ouais, il a préféré faire celui-là au lieu de finir par le FF3. Bien, 4 counters.
Voilà, petit mur normalement. Bam, bam. Voilà, là il y a ta crash. On va pouvoir se séparer. Bon, c'est là qu'Ivoro il est très dangereux. Yes! Voilà, un petit coup. Joli step 3 plus 4 qui est passé. Ah, c'est joli. Allez, il va au main pièce. Voilà. Il a mis 2 euros. <rire> 3-2. C'est serré. Ah, ce soir, il y a du potentiel. Donc la semaine prochaine, hein, je vais refaire ça. Je sais pas si ce sera chez moi ou chez Red. Ouais, on verra par la suite. Donc voilà, comme prévu, bah, Red a... comme j'ai vu sur TA, Red a commenté. Et ce n'est pas fini. Écoutez, t'as parlé des commentaires là. Que, ouais, tu peux commenter. Tout. Enfin, les gens voulaient que tu commentes. Bah, ça c'est fait. Joli. Du sac. Oh, je... Bien puni, bien puni. Oh là là, WS2. Oh là là, joli, joli. Il a pas fait le balcony break. C'est fait exprès. Ouais, ouais. Il a bien garanti le juggle comme il fallait. Joli. Oh putain. UF notre. Oh, joli. Voilà. Petit boost. Voilà, bien, bien. Oh là là, WSB encore une fois. Yata. Joli. Non mais... Très beau match. La part d'un sac. Et là, Ivoiro va tout donner. Oh, 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 oh. Oh non, 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 j'espère que... Oh, c'est magnifique. Oh. Ah non, franchement... Oh. Ah bon... Pop, 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 pop. Et c'est... Ah grave, non mais... Y'a personne qui blague ce soir. Personne. Voilà, petit boom. Bam. Non. Joué. Bien. Oh là là. Bien, bien, bien des stuns. Ah, il aurait pas des stuns. Oh putain, balcony break. Boots. Oh putain, là c'était un double VS2, j'ai l'impression. Oh là là. Eh. Oh, il va rentrer. C'est pris un effet froid. Oh là 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 là. C'est magnifique. Eh mais... C'est tendu les gens. C'est tendu. Get ready for the next battle. Oh les mains, dommage t'as pas les menottes là. Ouh, oh c'est nice. Bien. Bien, la part d'Ivoiro, bien plus. Ivoiro qui fait le tir, qui l'a pas fait exprès. Mais il fait souvent pas exprès, mais ça passe.
joli. Oh, dommage. Ivoiro qui a fait le fou là, ou non, c'est pas sa technique. Ouais. Bon. Ah, de chinoises partout. Moi, je commence à avoir les yeux bridés là. Quoi? Oh, oh, joli! Oh, magnifique! J'espère que vous avez apprécié tout ça. Oh, joli! Ivoiro qui a sursauté de son canapé. Ah yes, excellent. Wow, 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 wow. Bah on est jeudi maintenant. Tout. Oh là 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 là, nice. Ah mais franchement. Ah ouais, ils se font arnaquer par leur propre technique. C'est... Y'a qu'ici qu'on voit ça. Voilà, bien, bien. Bien joué, bon, c'est un peu donné quand même. Nice. Ah ouais, technique de fuite avec là-haut. Ah, c'est bien qu'ils nous fassent une démo, démonstration à Dusak après. En pratique, et tous tes trucs de dos, ce serait vraiment cool. Bah entre deux matchs. Donc voilà, un de ça qui fera une petite démo de dos. Des fuites... Technique de fuite de dos, avec là-haut. Donc, oh, joli. Oh non, ça c'est moins joli. Non, là, il fallait rester couché. Voilà, on peut retourner DF 3 plus 4. Ça c'est DF 3 plus 4 hein. Ouais. Non, le... Ouais. Nice. Attention, il va rouler à un round d'avance. Je rappelle qu'il y a 3 partout. Ah, c'est ça qui aime bien ce coup. Bien, bien. Bien, ouais. Allez, bon, il reste 15 secondes, Ivoiro à l'avantage, voilà, voilà. Faut jamais rusher sur Ivoiro, sinon c'est plus fort. Soit en FF3 ou... Soit en FF3 ou une balayette. Hein. New challenger. Ouais bah oui. Martial law. Il y a beaucoup le mot vol aujourd'hui dans cette session. Voleur, t'es un voleur, t'es un sale voleur. C'est du vol. C'est clair. Oh joli.
Non, balayette. Oh, c'est dommage. Oh l'autre. Ah, ça qui s'est fait ça. Bien joué. Voilà. Bien joué, boum. Est-ce que ça va emmener au mur? Non. Il manque un peu, il fait sa base sur le fond là. Voilà, slide. Ok, je prends d'autres. Bien la chope. Voilà, magnifique. Ah là là, ça c'est vraiment beau ça. Oh, bien, bien. Bon bah, à moi d'un miracle hein. Voilà. Attention à tout ça qui s'éloigne un peu. Oh joli, UF4. Normalement ça remet le mur. Ouais, dommage. Wow. Oh joli. Un petit B3 bien placé. Ouais, c'est technique. Voilà, bien. Bien. Bon, tu sais pas baissé. Aïe aïe aïe. Il va encore plus barrer. Si, si, un sac. Joli WS2 qui est passé. Il voit où s'en mange beaucoup vu qu'il y a Nusa qui il repère les high. Bien joué. Et il voit où repère les loups. Oh, oh le boot. Bien bien bien. Oh je... Ah, il a fait le deuxième, c'est dommage. Where have you English? Oh, oh! Bon. Bien joué. Un petit sac qui dit bien. Voilà. Ça pauvre là où il a un très bon jeu de pauvre. Ouais. Ah, un FT3 bien placé. C'est vraiment dommage. Il y a 4-3 là. Tchou, tchou. Ah. Bien joué. Joli. Ah joli. Boom. Est-ce que ça va... Oh nice. Je sais pas si c'était fait exprès. Oh, magnifique. Il y a 5-3 là. 5-3. Bah, excusez-moi pour le score, hein. Il y a 5-3 pour Ivoiro. Ok, c'était... Ah, toutes les semaines, moi, il y a pas...
Bah, Red, hein. Red Hadou. Red Hadousack. Ça va être tendu de chez tendu. Et ta manette? I don't know. Moi, je peux pas la louper, la mienne. Ouais. Alors, Red versus Hadousack. Bon bah. Red Hadousack, prochain défi. Ah ouais, Lay, va dodo, hein. Franchement. Ah, il taffe à 4h du mat, il se lève à 4h du mat. Ouais, ouais, je crois qu'il taffe que la matinée, mais bon. Se lever à 4h du mat. Bonne sieste. Donc voilà, bah, tous dans la bonne ambiance. Ouais, là, t'inquiète, je te tiens au courant, y a pas de souci. Bah, ça y est, la machine est en route. Ouais, grave. Bonne nuit, Lay. Non mais en fait, bah oui, mais là il va se passer des choses. Là. New challenge. Ah mais bah y a pas de souci. Hein. Tu t'achètes un truc, carte d'acquisition à Vermedia. Franchement, on est bien. En quoi? Ouais, exact, c'est les boîtes rouges là. Pas hein. Le cas pas mourir, c'est la gagner pour moi. Ah ouais, ouais. Get ready for the next battle. C'est de voir ici. Target acquired. Oh, t'inquiète. Allez, c'est parti. Alors, Red Hadousack, 0 partout. Nuit blanche. Dommage taf en plus. C'est bon. K.O. Round 2. Fight. Bah, voilà, un petit boot. En tout cas, du sac. Ouh, joli. Bien. Bon petit mix. Ah, bah là, c'est bien mixé quand même. Peut-être marrant, c'est après quand on a marre de jouer, de faire des VS, on joue online et on frappe des sacs. Ah, ça fait marrant. Bah, je sais pas si c'est sous un coup là, tu vois. Mais on peut... Maintenant c'est bon. Ouais, mais là je crois qu'il est un peu trop tard pour trouver des bons joueurs. Quoique des joueurs US, tu vois.
Ouais, moi, ouais, attention, depuis que j'ai Bouygues là. C'est lui, c'est lui. Lui, faut que je l'ajoute, hein. Faut que j'ajoute. Bon, on tourne dans le match. Ah, Rex qui s'est pas baissé au deuxième, c'est dommage. Oh là là, magnifique quoi. Voilà. Oh là là, putain, ça a whiffé la bouffée. Joli. Est-ce qu'il est mort? Oh putain! Eh, c'est la soirée carotte. La soirée carotte. Aïe, aïe, aïe. Voilà, bien joué à nous, Zach. Ouais, ouais, c'est ça, je crois. Next battle. Ouais, ça dépend, ouais, c'était comme ça. C'est grave bizarre. Ça dépend du cursus. Un, deux, ouais. Round 1. Fight. Ouais, après, je crois que. On va faire un défi ou deux après derrière. C'est assez super. Moi, je crois que je vais faire un match ou deux derrière. Après, ça va être bon, quoi. Moi je commence à saturer un peu. C'est super chaud. Bien joué. Oh joli. Bien joué. La porte de rêve. Bien. Aïe aïe aïe. Attention. Aïe aïe aïe. Ouais. Voilà, je chope pas plus de. Je n'ai pas déchopé. Eh mais. Mes persos divorent Anusak et Red, tous se jouent de dos. Ils se jouent tous de dos. Ils ont tous des coups de dos et tout. Warang un peu moins, mais il en a quand même. Voilà, bien. Red qui met de la pression. Ah, je crois que je l'ai passé juste avant le coup. Bien joué. Voilà, sa zone, zoning. Oh là là, ça a bouffé. Ça a fait pas le moment de jouer. Ah, c'est la chute qui fait mal. Waouh, ouais. Wow, bien, bien récupéré. Wow, joli. Ah, oh, joli. Nice. Moi, je pense que ça, c'est... Oh, c'est pas passé là. Bien joué. Get ready for the next battle. New challenger.
Get ready for the next battle. Round 1. Fight. Allez, c'est parti. Nouveau round dans l'Ultimam. Nouveau match. Un partout. Voilà. Ah peut-être un B, je sais pas si t'as le temps de te baisser ou faire un coup derrière. Ouais ouais c'est ça. Oh joli. Mec il commence à craquer les trois. Je crois que plaisir. Ah dommage, dommage là. Il tâche là où oh ok. Ouais, je vais en plus. Oh il n'a pas pu me terminer. Voilà, on continue. Oh voilà. À cette heure-là, on arrive à faire des trucs encore. C'est cool. Yeah. Round 3. Fight. Bon, pas mal, putain. Bien joué. Red il le veut son... Bien joué, bien joué. Ça il va pouvoir partir tranquillement. Ah dommage. Oh 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 oh. Bien joué. Normalement ça amène au mur. Bon, Red est bien parti pour ce combat. Bien joué. Oh là là, magnifique. Oh, il est sérieux. Franchement, il sera bien défendu, mais je crois que... Ouais, c'est tendu. C'est grave tendu. Magnifique. Ah, wesh. Final round. Fight.
ça a quand même touché au sol. Ah, tu peux pas parer ça, c'est mort. Je crois que c'est pas fini. Oh, joli, il a vu. Il a analysé. Attention. Oh là 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 là, dans les fesses. Get ready for the next battle. Il s'est fait caresser. La caresse, quoi. C'est grave sensuel, ça. Y'a combien, les gars? Non. Ah, grave. Get ready for the next battle. Round one. Fight. Merci, Knight. À la prochaine. Ouais, bonne nuit. Fais gaffe aux crises d'épilepsie à. Au jeu que tu vas jouer là. Je sais pas si c'est coffre ou la mèche. Bon, on va retourner dans le match. Voilà, bon. Marshall, qui fait son soif. Voilà, bien. Oh, bien joué ça. Oh, nice. Oh, joli. Oh là 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 là. Joli. Et ce monsieur ne veut pas aller à l'UCT. Oh, la part de rêve. Ah, c'est dommage, ils sont plus pétés. Voilà, bien. Sa zone. Ah, c'est dommage. Yut. Oh là là. Ah, c'était un coup de poker quand même. Bien ce que tu dis. Bien joué ça. Oh, aïe aïe aïe. Ah ah. Dans du boots encore. Oh là là. Mais ça fait trop mal, mec. Non mais ça c'est pas sérieux. Bien joué. Hop. Et c'est le Bounce. New challenge. Joli. Donc je rappelle hein, pour ceux qui sont là. Est-ce qu'il reste des Français encore dans la room là? Ici il n'y a plus de Français. Ça sert à rien de faire des commentaires. Non, j'ai demandé si.
Je crois qu'il y en a plus, hein. Hein? Ouais. Moi, je vais bien faire un dernier petit défi là. Ah, il y a Ojin, il est toujours là. Qui? Ouais. Round one. Moi je. Ouais, faut que je joue contre vous deux là. Ouais. En plus je joue souvent avec lui tard le soir. Bon, moi si on peut le coucher, je suis cool. Ouais, bref. J'ai une pause de 2 heures en croyant qu'il allait partir me tuer. Après, je fais des recherches, le gars il est encore là. Elle est plus contente, c'est à cause de grâce à lui, je suis mon père. Et franchement, il m'a empêché de monter. Il m'a fait 3 promotions. 3 promotions, il m'a dit. Franchement, il me dit, je ne sais pas quoi. Je suis plus juste avec lui. Ah moi je pisse plus mon truc pendant 6 mois là. Comme les Tigers. En bouche. Voilà bien bon. Là je vois que Red s'est réveillé. Je crois qu'il y a 2 partout, excusez-moi. Oh! Oh! Oh l'arnaque! Oh! Oh! Et 1. 3-2. Pour eux. Get ready for the next battle. C'est encore le même stage? Round 1. Ah, j'ai pas changé de musique là. Fight. Get ready for the next battle. Last up, all right. Salut Crash, bonne nuit. Merci d'avoir regardé. Joli. Ah joli. Très bien fait. Yeah.
3 c'est tout pour sortir de la soirée. Oh! Défunt. Red qui a compris la leçon des épouvantes. Ja. Ja. Blaster power. Oh joli. Chope pas déchopé. Ah bien bien bien. Il a DJ et a confirmé le truc. Donc c'est cool. Ah là aussi. Oh. Et ouais, ça dose encore, il y a encore au moins deux défis quoi. Deux défis à faire, c'est encore la force. Ah bah là ouais, t'es obligé. Get ready for the next battle. Fefe il est rentré chez lui. Non, il demande si Fefe il joue. Round 1. Fight. Oh là là, oh là là. Red il lâche tout, il veut finir là. Mais faut pas tout. Ouais. Ah bien, bien, bien. Oh.
Bien joué, bien joué. Joli ça. Bien, bien. Petit juggle. C'est bon le combo. Ah nice, ah putain. C'est pas trop tard quoi. Wouh, ah j'ai cru que c'était fini. Bon, après il restera deux défis. Donc je ferai les deux matchs. Et après je crois que... on va s'arrêter là. Aïe. DCR, la dernière fois qu'on a fait une session, il nous a tous ratatiné quoi. Enfin, c'était à Tekken 6 hein. C'était à Tekken 6. Ah dommage, ça a pas pété. Bon, ça zone. Bien joué. Oh, magnifique, magnifique. Le boost. Oh, joli. Oh, joli. Si, j'attends. Voilà, balcony break. New challenge. Anoussa qui lâche pas l'affaire. Ah, nous ça qui est toujours là. Hein. Franchement, l'homme lui fait bien jouer. Franchement, il est terrible. Moi, j'ai perdu, j'ai oublié mes coups. Get ready for the next battle. Target acquired. Bon, Red, qui est en balle de match. Oh joli. Bien joué. C'est des 4. Ça zone, bien tagué. Tagué sans risque. Oh là là, F3 plus 4 qui est passé. Non, non, facile, facile. Voilà, bien joué, t'as pas d'avis ça. Voilà, le coup de trop quoi. FF3-4. Faut éviter de le faire. Oh. Là. Oh joli, oh. Sia, bien puni. Voilà. Attention, Red. Après, ça va être à moi de jouer, hein. Je vais essayer de jouer tout à l'heure quand même. Ah, dommage. Bien joué. Bien, ça court. Fou.
Voilà, ça c'est la spéciale de rêve. Sinon elle le fait celle-là. DB2, échauffant plus 2. Oh là là, il y avait un méchant russe là. Bien joué, je savais qu'elle allait au moins gratter un round. Bon bah excusez-moi, hein. Je suis un peu fatigué donc les commentaires sont vraiment simples. Haya. Bien joué ça. Ça aussi c'est bien fini. C'est bien tagué également. Anusha qui est très patient. Voilà, je dis. Aïe 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 aïe. Ah, c'était sûr. C'était sûr. Joli. Oh. Bravo. 5-3, ouais. Bon, c'est à mon tour. Get ready for the next battle. Vas-y. Ouais, ouais, il en reste. Round 1. Ouais, non mais moi je te dis vraiment, hein, parce qu'on lui a tout fait, mais il y a ça, hein, vraiment. C'est cerveau. Le cerveau, il chauffe. Ok, je vais regarder un peu le chat avant de commencer. Il y a beaucoup de trucs. Alors. Comment ça, Crashman n'a plus à force de jouer à Tekken. Viens commenter avec nous, vous avez dire. Deux jours que t'as pas dosé. Oh les gars, moi je dose pas depuis début juillet. J'ai fait 3 sessions en tout. Depuis que mes parents sont arrivés et squat chez moi, j'ai trop le seum. Ok. C'était cool de revoir Nate qui est parti. Crashman qui se casse aussi. Tranquille. Ouais, c'est FF3 de lait, je confirme. Je sais pas si ceux qui sont encore là, faites-moi signe. Je serai peut-être moins enthousiaste que tout à l'heure parce que d'un, je suis fatigué. Et de deux, il y a les voisins. Jean, FCP et 20, mais qui se cache derrière ce pseudo FCP et 20. Ouais. Rémi qui est là aussi, et là-bas, les hostilités ont déjà commencé. C'est parti. Donc on a droit à un bon match, Lay et Jean. Oh, c'est bien aidé. Son père Eddie. Ouf, le scale au cas dans la stance. Dommage. Et voilà, la spéciale relevé 3-0. Il a un peu placé ce starter, c'est horrible.
horrible. Je crois que je peux faire quelque chose, mais non, c'est la merde. Joli, dommage. Donc là, faut savoir qu'après le FCDF 2-1 de Lay, j'ai relevé 4 directs. Comme ça, c'est vite direct en fait. C'est vite de bloquer une middle et de le relever le bâton. Enfin, c'est déjà un petit peu. Sachant que si t'es un des privilégiés qui a un starter, soit un relevé 4 en plus clair, bah, il reste au joueur de low. Ouais, tu sais, sur le truc de Lay, là, FCDF 2-1 4. FCDF 2-1 4. La série double low. En fait, quand t'as bloqué le deuxième low, en fait, tu t'es relevé 4 x 4, donc t'as un combo direct en fait. Hein? Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que s'il fait pas le dernier coup, tu vois, ce sera pas en counter. C'est vraiment pour intérêt, tu vois. J'étais sûr qu'il va faire toute la série, ouais. Ouais. Bref, ok, c'est reparti. DB3+4 de Bruce, horrible. FF1+2Q8, dommage. FF1+2, moi j'aime bien ce coup, mais bon, ouais, il est un peu lent, mais. Oh là là! Ah, la vitesse des mix de Morant. Oh mon dieu! Oh mon dieu! C'est trop vif. Et ça fait 1-0. Si je me trompe pas, vous avez déjà fait un match avant? Non? Ok, donc 1-0 pour Evocate. Ivoiro Akon. Ah ouais, y'a tout le monde qui dort en fait. Tant pis. Moi je continue à me faire plaisir. C'est marrant en fait de commenter. Get ready for the next battle. Round 1. Ouais, bah moi je suis d'accord, hein, je comprends très bien. Puisque j'ai eu la chance d'avoir une voiture. Encore pour 40 balles, vas-y. Normal. Yes, munition. Tchao. Bam. Aïe. Et du Mike qui lance les hostilités. Ouh. 40, 45, 50, je sais pas. Mais c'était en counter, donc ça fait hyper mal. Et la balayette, oh, je déteste cette balayette aussi. Y a pas mal de choses que je déteste, que chez c'est horrible. Mais bon, j'ai Mike qui nous fait une petite démonstration de combo là. Oh, dommage, il aurait pu tellement placer un starter là. C'est sa spécialité en plus. Les punitions de whiff en starter. Ouf, ça fait double hit, c'est grave bizarre. Joli ça! Joli ça! Joli ça! Oh! Aïe 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 aïe! It hurts, motherfucker! It hurts! Et j'ai fini ma flotte. C'est reparti. Non. J'éloigne le micro pour pouvoir boire. Balayette de Lay, DF1, Spock, Rush, oh là là, UF3, c'est safe maintenant mesdames et messieurs, c'est un truc de ouf. Joli, 3-2 qui récupère. Et 3-2 qui empêche plutôt Ivoro de partir. Et ça nous fait un partout. Mec, c'est trop. C'est trop stylé ce logiciel de stream. Hein. Tu télécharges sur internet ou ce logiciel là? Normal, bon ça je le dirai pas ici. Ok, je pense qu'ils ont compris. UF3 safe, ouais, de l'aide. Et ouais. C'est la merde, UF3 safe, step 4 safe. Voilà, DF1 qui récupère si le mec il tape direct. Sauf que là il aurait whiffé si G-Mike aurait attendu, donc c'est un mind game encore une fois. Faut connaître en fait hein, comment se joue le mind game parce que sinon. Parce que moi j'avoue j'étais un des premiers à râler sur Eddie quand je connaissais pas encore. Alors, au bout d'un moment je me suis dit bon t'arrêtes de râler. La vie est trop courte pour les mauvais match-up. Donc prends-toi un perso et apprends celui des autres. Bien joué DF2, Divaro. C'est parti, oh là là, joli, Okizem. G-Mike qui va chercher toujours, oh là là, l'époque en snake qui passe en panthère, mais la balayette panthère qui whiff.
FF4, je pense qu'Ivaro aurait pu placer un petit FF3 là. Ok, bien puni le relevé 3. UF4 bien bloqué. Oh là là, UF4 B3-3 à la spéciale. Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vu celle-là. Mais ça passe toujours aussi bien. Content de s'y attendre pas. Ah dommage, du mec qui rate son combo. C'est une première celle-là. Mais là il se rattrape, il va dire non t'inquiète, regarde, je vais le tuer. Bam, dommage, il a voulu retenter un autre. Ah, Ivaro, dommage, j'aurais dû s'arrêter à là. Échoppe mec, ça ressemble à ma shop de Raven, c'est pas de la capoeira ça, c'est du ninjutsu. Bref, Jim Mike, oh là là, voilà, le truc qui rentre. Je sais pas, c'est peut-être parce que c'est le lait, il a pas tenté son max damage avec avec F1 plus 2. Il a un combo max damage avec F1 plus 2, joli ça, et bien bloqué, oh là là. Bien deck, tente le UF Note 4 quand tu vois une grosse balayette comme ça. Joli. Ah c'est safe. Non, c'est jamais safe. Moins 10, moins 12 je pense. Aïe, what's flat. Ah là là. Tcha-tcha. Joli. Ah voilà, le counter, dommage. Ah dommage, il aurait pu mettre un gros combo là. DF2 qui traque. Voilà, et la chop. DF2 qui trappe sur la droite de Eddie. Je rappelle à ceux qui étaient pas là tout à l'heure que Eddie se step vers la droite et que DF2, hélas, est un de ces rares coups qui vont stepper juste, qui vont craquer justement de ce côté-là. Donc faire très attention quand vous stepez vers la droite au DF2. Surtout si vous aimez beaucoup taper, là vous allez vous prendre un DF2 counter. Et si vous jouez contre G-Mike, barre de vie. Oh, le combo qui rate parce que Lay est un... N'oubliez pas aussi que Lay est un petit perso. Donc des fois, il y a des trucs qui vont pas passer. Et aussi des fois, dans sa stance de base, il y a des mini auto-step. Des fois, ça va faire des situations bizarres. Oh dommage, Ivaro qui punit pas sa starter. Et... joli. La mise au sol pour... bien joué. Ivaro qui a bien retenu la leçon. Quand c'est en hit, même si t'es en hit et que tu touches l'œil de dos, balance directement un low crush. Voilà, relevé 3 en punition du relevé 1-3. Oh là là, ce truc là quand ça touche, direct la balayette c'est quasiment garanti derrière. Enfin c'est pas garanti mais il y a le mix immédiat quoi. Donc en général tu t'attends pas à qu'il se fasse direct la balayette. Mais c'est signé comme ça. Oh là là, la spéciale du Mike. Encore une fois, lui il est très patient en Oki. Mais il est toujours prêt à vous la mettre dès que tu fais un coup de trop. Il va te finir par Wild Rising 3, combo counter, et bon voilà, hein, j'ai maqué ses combos, dommage. Oh là là, step 4 qui passe en counter, full combo de Warang, dommage, qui tente le tech trap, le crossover, le cross-up, ça dépend comment vous voulez que je l'appelle, bon je m'en fous, j'appellerai les... je dirai les 3, c'est pas grave, j'ai le temps, joli, voilà, ah, la spéciale, allez, Ivoiro, comment il place trop bien celui 3 plus 4, oh voilà. Le mix de G-Mike en FC, je crois que c'est FCBF 3 ou 4, je sais pas, le lot bizarre avec les pieds là où il tourne après sur le... Non, ça, relevé 3 c'est le starter. Mais FC, je sais pas si c'est FCBF 4 ou FCBF 3. Tu sais, il fait un lot et il tourne sur lui-même et il tombe par terre. Hein ? FCBF 4, ouais, mais c'est ça. Donc quand Eddie est accroupi, bah il y a un mix aussi relou, FCBF 4. Lui donne l'avantage et qu'il laisse en RLX et relevé 3 qui lui te laisse toi en RLX après les 90 dégâts qui t'aura mis. Donc, voilà, là j'ai plus personne sur le chat, là tout le monde dort, bon tant pis, je continue. RMI va bosser tes wave dash. Moins 12 bien puni, oh là là. Oula, il est 2h. Donc c'est fini après celle-là, hein, les gars, quand même. Peut-être G-Mike et Anusak vont peut-être continuer, je sais pas. Et moi, je m'en vais. Et Ivaro, je ne sais pas non plus.
Ah dommage, convoqué pas passé. Parti, mise en stance, joli. Oui, faut que je trouve un truc sur ce coup-là. Voilà, UF4 dans le dos. Encore une fois, G-Mike qui retient très bien les leçons. Il sait que quand il touche les dans le dos, j'arrêterai pas de le répéter, mais il faut le faire. Faites un low crush si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire. Sinon, soyez sûr de vos frames. Joli. Oh là là, c'est horrible. Chat, chat. Oh, trop tard. Ouais, FF4 qui rentre nature. Et full combo, ça fait très très mal. Et la belette qui rentre. Oh, 3-3 qui est pas rentré, je pense qu'il aurait dû tenter autre chose. Voilà, la shop qui va toucher le mur. Et Lay qui est wall splat. 4 counter, joli. Il a bait de Wild Rising 3 de G-Mike. Dommage, il rate son combo. Oh là là, joli Skyrocket pour finir ça. Et le backtrap. Oh là là. Ah, Ivoiro qui nous sort encore la totale à 2h du matin. Il lui dit, ah, t'inquiète, mon cerveau il est encore allumé. À la lueur de mes Skyrocket. C'est parti. Oh là là, bien joué encore de la part de G-Mike qui a bien remarqué le PT et qui a fait directement un low crush. Voilà, bam. Non, il a pas retenté. Il a pas refait le fou Ivoiro avec un autre Skyrocket pour punir le RLX. Sachant que ouais, Skyrocket, ouais, ça touche au sol. Enfin au sol. Ça touche pas au sol, mais ça touche des stances bizarres au sol, genre Lay, Eddy. Et aussi si tu bouges. Joli, joli salade tomate oignon de la part de G-Mike. Anti-side de Ivoiro, bien mindé, bloqué par G-Mike. Joli! Lui aussi a bait le Wild Rising 3. Très 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 bien joué de la part de G-Mike. Oh voilà, le 3 en, a, en counter qui va faire... Oh dommage, il a eu le mur de côté. Oh là là, B1-2. Oh dommage, B2. Le petit B2 de G-Mike en général il rate pas ça, on va dire. On va mettre ça sur le compte de l'heure. Ah pareil là, CD2 raté. RFF 4-4, très bon coup d'ailleurs. En général on se baissera pas dessus. Oh bien récupéré. Dommage. Dommage, c'est bon. Bien joué le step 4. Oh putain. Et le Sky Pocket qui rentre 3-3. Oh là là, full dégâts. Le 4 qui rentre. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? UB4, le coup de zonage que Ivoiro recommence à utiliser. Ouf. Ouh. Oh là là, FF3, ça fait trop mal. Eh les gars, je suis grave en retard au niveau du score. Il y avait 1-1 quand je me suis arrêté de partout, hein. Il me semble que c'est de partout. Voilà, on va essayer de mettre le score quand même parce que à la fin du set, je me casse. Get ready for the next battle. Round 1. Fight. Vas-y, moi je continue à commenter, ça me fait plaisir. En tous les cas, merci d'avoir participé à ce stream qui n'aurait pas eu lieu sans nos auditeurs. Je rigole, on l'aurait fait quand même. Mais c'est pour la forme. Donc merci à vous les gars, et à la prochaine pour ceux qui partent. Nous, on a encore un first to five à finir et à commenter. Donc moi je continue, tant qu'il y aura une personne qui sera là pour m'écouter, je serai là à commander. Haha, on dirait. Bon pardon, j'arrête de faire des blagues, il est 2h du mat. Ok. Ouais, je me lâche, y'a plus personne, wesh. Donc ouais, Rémi, et encore une fois, va bosser des wesh dash. Oh là là, le D4-4 qui passe son counter et le full dégâts. Dommage. FF3 qui rentre pas, pas FF3 mais FF neutre. Ouais, je sais pas comment le décrire. Encore une fois, Ivoiro, Max Damage, joli. Dommage qui rate son relevé 4-4. C'est vrai que c'est un peu tendu quand même comme timing. Oh là là, bas point de G-Mike pour... Oh dommage. Je sais pas ce qu'il aurait pu faire là avec Eddy. DF1, oh joli, F3, c'était assez risqué, mais bien joué, bien mindé de la part d'Ivoiro.
du mat qui restait intense. Et le relais 3 encore une fois, c'est horrible. Bien ouais, full dégâts, bam, 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 70%. Et perte de barre rouge. Et cet anti-side là qui est censé être à moins 10, je parle de celui de Warang, mais personne n'arrive à le punir. Je vais quand même confirmer sur Steak and Chicken. Donc excusez-moi, donc c'était Flamingo quelque chose, il me semble. Flamingo B4, connerie comme ça, ou F4, je sais pas. Bon alors, Warang aussi, il y a trop de trucs dans... Ouais non, vas-y, tu sais quoi, il est 2h du mat, la flemme de faire ça maintenant. Bam. Faut casser le mur. Voilà. Contact crash. Il n'a rien à perdre. C'est encore le match de tout le monde. La F2-4. Oh. Ah la dommage. Ouais. On va mettre ça sur le compte du lag. Non non mais t'inquiète, t'inquiète. Faut qu'on s'entraîne à le faire quand même. Parce que quand on sera en tournoi ça va rentrer. En tournoi ça va rentrer. Vous inquiétez pas. C'est moins 13 en plus il me semble. 12-13 hein. Ouais, c'est chaud. 3-2 d'ailleurs pour Waro Akon. Round 1. C'est parti. Oh là là, faut que... Non, c'est la peine d'apprendre les manips de D, mais... Waro qui s'est dit qu'il allait peut-être rater son combo, donc il a assuré les dégâts. Ah dommage, le backtrap qui rentre pas. Oh, J-Mike aussi qui rate son combo, relevé de 2. Voilà, full combo encore une fois avec UF3 plus 4 qui crush les high. Et qui va super loin. Oh, J-Mike qui rate ça. Bizarre. Finition de Rao Tag de la part d'Ivaro. Ivaro aussi rate son combo. Directement puni par J-Mike d'ailleurs. Qui profite du mode rage. Ah l'enfoiré. Ah l'enfoiré. Très très bien joué. Au lieu de finir, ouais, il a préféré jouer la top. Et ouais, moi aussi j'essaie de le faire mais ça marche pas. Ouais, en fait quand tu retombes, il y a le deuxième, c'est horrible. Le choix de stratégie. Voilà, cette fois c'est passé sur du moins 10 pieds, ça récupère, bien sûr que ça récupère. C'est Mr. Bruce. Bam. Oh dommage encore une fois. Je pense que là par contre il y avait la distance, donc il aurait peut-être dû le UF3 plus 4 pour punir de loin ou B2 hein, comme vous voulez, voilà. Il tente la feinte. J-Mike se relève pas. Bien puni par Ivoiro. Oh. Et la punition du whiff. Alors là mon gars. Alors là les gars. On dirait pas qu'il est 2h du match, je répète. Ouais, voilà. F3 qui va toucher la stance. Dommage, J-Mike qui rate son combo. Et Ivaro qui le récupère tout simplement. Joli. Relevé 3-3, B3-3. J-Mike qui va tenter le hockey. Bam, dommage. Il aurait pu tenter le DF2 cette fois. F2, bas 3. Bam, oh là là. Ivaro qui essaie de s'enfuir et qui se prend le 2. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, en fait, derrière la stance de Bruce en bloc, genre DF4 en bloc ou 2-4 en bloc, ce que Ivoiro a tenté tout à l'heure, ça aurait marché sur tous les coups, sauf justement le 2 que J-Mac a bien fait. Donc très très beau man game de la part de J-Mac qui a empêché de partir en même temps. Mais si il avait fait un autre coup que sur... Oh putain. Ah wesh mec, non mais... T'as pas besoin de dormir toi. Wesh mon gars, il met un Skyrocket derrière DF3 plus 4, j'espère qu'il y a des gens qui ont vu ça à part moi. Ouah. Déjà que moi je me félicite de mettre FF3 dessus, lui il met Skyrocket, si merde. Si merde. Bon, remets ta droit. Bon allez, bon les gars, moi... non vas-y, je reste là quand même pour mettre le score. 4-2 pour J-Mike. Mais c'est la dernière pour moi, le dernier set je veux dire, qui était encore jouable. Ivaro qui s'est très très bien réveillé. Ouf.
Oh là là, joli, joli setup pour la shop qui va la stat au mur. Donc ils aiment au mur. Oh, et 4-4-3 qui récupère. C'est horrible quand ça fait ça. Je comprends la peine de G-Mike quand il se prend ça. Parce que moi aussi avec Graven, il y a la même. Bam, 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 bam. Et c'est parti, dommage. Ah, les deux qui ratent. Bien joué. Joli. Joli setup. Oh joli, ah dommage, il voit Rocky rate un truc là, je pense qu'il aurait pu mettre autre chose. Mais il fait encore sa spéciale, le raw tag pour faire whiffer les coups. Joli, ouais, bas point qui interrupte pas mal de possibilités de Warang quand il fait Wildstanding 4-4. Le problème c'est que voilà, Ivoiro quand il se rend compte que tu fais ça, après Wildstanding 4-4 en hit, il va te faire un step skyrocket et là, que t'aies fait un bas point ou peu importe, tu l'as dans le... Joli, c'est des deux qui va chercher. Bam, gros wall splat, gros combo, il faut tuer directement. Et ouais, bien appliqué par G-Mike. Il faut tuer dans ce jeu les gars. Laissez pas la possibilité à votre adversaire de remonter. Il faut tuer. N'oublions pas que c'est un jeu de combat donc. Voilà, le setup du Tiger en Tiger pour essayer de passer la balayette. Donc, en général, moi, des fois je reste blessé donc. C'est free middle. Oh, jolie punition de la part de G-Mike, mais qui rate son combo complètement. Mais B1-2-1 qui rentre en counter. Skyrocket, TF1. G-Mike qui est toujours là. Et j'adore voir son Bruce jouer. Parce que c'est un des rares Bruce qui ne se focus pas juste sur l'époque de Warang. J'étais en train de jeter des fleurs à G-Mike et il se prend tous les pocs de Warang. C'est horrible mesdames et messieurs. Bref, je finis ma phrase quand même, qui est pas genre focus full arrière 2. Et pareil, c'est ce que je lui ai dit quand j'ai touché un peu à Bruce, c'est que la plupart des gens n'ont rien compris à Bruce. Il y a beaucoup plus de choses que arrière 2 à faire avec ce perso. Et il est encore plus relou. Si tu fais que arrière 2, de toute façon je te le stepperai toute la journée. Donc viens, viens avec ton Bruce full arrière 2. Je suis prêt. Oh là là, instant BTD1 en counter, full combo de la part d'Ivoiro qui joue Loki. Oh dommage, oh là là, ça rentre pas. Oh dommage, j'aurais pu jouer la balayette. Et bien puni par G-Mike. Dommage, voilà, la totale, peut-être une chop. Oh là là, Ivoiro qui se pêche direct. Un bon setup pour placer un bon wall splat qui oublie de se baisser au mur. F4. Bien joué. Et c'est la fin les gars. 5-2. Oh là là, comment je l'ai vu celui-là. Get ready for the next battle. Je l'ai dit avant que tu fasses. Ah putain, c'est ouf. Allez, bien joué les gars. Partez si vous tenez à la vie. Round 1. Fight.
Thank you.